Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis une nouvelle vidéo, un nouveau unboxing. Ça faisait vachement longtemps que j'avais pas fait d'unboxing et j'ai reçu pas mal de petits colis par-ci par-là et je voulais vous montrer ce que j'avais reçu. Mais aussi, comme vous avez vu dans le titre, j'ai une grosse annonce à vous annoncer. C'est quelque chose que je sais depuis un mois et demi et que je suis trop contente de vous l'annoncer enfin aujourd'hui. Je sais pas si on commence par ça ou pas. Non, je vais d'abord vous montrer ce que j'ai reçu et après je vous annoncerai la grosse nouvelle, parce que franchement, je pense que vous allez être contents pour moi parce que c'est un truc de fou. Alors, on va commencer par ce petit colis. Donc, j'ai reçu de la part de chez Clarins un baume lèvres réparateur. Donc ça, ce baume lèvres, je le connais depuis des années et des années. J'utilisais quand j'étais toute petite. Ma mère, elle l'avait tout le temps, celui-ci. Et là, ils m'ont envoyé ce baume lèvres. Enfin, je pense que vous devez le connaître. C'est un baume à lèvres réparateur à la cire de lotus bleu. Ça, je connaissais pas. Je pense que c'est une nouveauté. Ça sent trop bon. C'est exactement comme quand j'étais petite. Ça sent vraiment trop trop bon. Trop beau en plus le packaging. Alors vous voyez, c'est un petit dégradé de bleu. Genre c'est trop trop beau. Donc ils m'ont envoyé ça, je suis vraiment contente parce que les baumes à lèvres de chez Clarins, enfin, ils sont très connus pour être magiques. En plus ça c'est facile à prendre avec nous, genre c'est tout petit, c'est tout mignon. Donc je vais lire sa petite fiche sur internet, voir ce qu'il y a d'intéressant. Ça permet de nourrir les lèvres. Ensuite, il y a un extrait de cacao qui stimule la production d'acide hyaluronique et améliore l'hydratation globale des lèvres. Protégée de l'évaporation excessive d'eau par des céramides, elle retrouve leur aspect lisse et pulpeux. Qui a une note gourmande, subtilement fruitée, c'est exactement ça. Sa texture embellissante enrichie d'un effet à la brillance discrète rehausse ses lèvres d'un bel éclat rosé. Non, franchement, vraiment pas mal. Donc ça, ça coûte 18 euros sur leur site. De toute façon, Clarins, c'est une super bonne marque, donc vous pouvez vraiment foncer pour les baumes à lèvres. Ça c'est... Ils sont très connus, ça fait des années que je l'utilise et j'en avais plus. Voilà, je suis contente de l'avoir reçu, merci beaucoup. Ensuite j'ai reçu ce petit lip gloss de chez Equivalenza. Je sais pas si vous vous souvenez, j'ai reçu une de leurs bougies et diffuseurs de parfum. Là j'ai reçu donc un gloss, donc il est tout petit, il est vraiment trop mignon, donc c'est encore facile à transporter. Et donc moi j'ai pris la teinte, c'est Sweet Pink, voilà, Sweet Pink, la numéro 1. Donc c'est celle-ci, c'est ce que je porte sur les lèvres actuellement. Donc voilà, j'ai mis un petit rouge à lèvres rose et j'ai mis par-dessus ça, donc il est assez nude. Il donne un effet vraiment glossy que j'aime beaucoup, très brillant, j'adore, je trouve ça trop trop beau. Vous savez pas le prix que ça coûte? Ça coûte 3,95€, c'est vraiment pas cher. Et c'est tout petit, c'est trop mignon, tu peux embarquer ça partout. Et je pense que ça peut te durer dans le temps. J'en ai pas mis une grosse couche sur mes lèvres, ni vraiment un tout petit peu. Vu le tube que c'est, il y a 9 grammes, ça peut vraiment te durer dans le temps. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup. Donc merci beaucoup à Equivalenza de m'avoir offert ça. Il existe en 4 couleurs, je crois. Je vais regarder sur leur site. Ouais, il y a 4 couleurs. La Sweet Pink, Hot Fuchsia, Rebel Red, Vampy Plume. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc dedans, il y a de l'huile d'avocat. Et il y a un parfum de vanille. Et moi, j'aime beaucoup ça. Et ce qui est bien avec ce gloss, c'est qu'il n'est pas du tout collant. C'est-à-dire que... Enfin, moi d'habitude, c'est toujours des gloss qui... tu sais, quand tu fais ça... Genre ça colle. Et là c'est pas du tout le cas, genre c'est tout lisse, c'est tout doux, j'aime beaucoup. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir offert. Il y a un mec qui me fait sur Badou: bon, je dois être honnête, j'ai gaspillé 10 euros juste pour pouvoir discuter avec toi car je te trouve très belle. Le pauvre, il aura pas de réponse de ma part. Parce que ouais, c'est payant, genre pour les mecs, j'étais choquée, genre... Badou, tout ça, c'est payant. Donc bref, colis suivant. Ah, ça va être drôle. Ça, j'ai trop hâte de tester. Vraiment, j'ai hâte. Donc j'ai reçu le kit Smile Carbone. On prend pour le CO2. Kit de blanchiment dentaire, goût à la fraise. Alors ça... On va voir. Donc dedans, il y a une gouttière universelle, une lampe LED pile fournie, un mode d'emploi, un nuancier et un gel goût fraise de 10 ml. Donc derrière, ils expliquent comment ils font. Alors ça, je vous en ferai un crash test. Je vais tester ça pendant plusieurs semaines. Enfin, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus le gel en fait. Et je vais tester ça et je vous dirai si ça a vraiment fonctionné sur moi. Donc là, ils te mettent le petit nuancier. Voilà, au niveau des dents, quelles dents tu es, genre niveau 1 ou 20. Ensuite, il y a le petit manuel d'utilisation. Donc ça, c'est pas mal. Et à l'intérieur, donc nous devons avoir la fameuse
Et il y a déjà le liquide dedans. Je l'ai appuyé comme une grosse débile. La petite gouttière, la LED. En tout cas, ça sent vachement le stérile. Genre, tu sais, quand tu vas au bloc opérateur, tu sens une odeur de stérile, tu vois. Et là, c'est exactement pareil. Donc, je pense que c'était bien stérile. Et moi, comme une grosse débile, bah, je viens de tout... Voilà. Donc je suis assez contente d'avoir reçu ça parce que ça fait quand même pas mal de temps que je voulais essayer cette marque là. Je la voyais beaucoup sur beautéprivée.com, là où il y a toutes les marques et tout à prix cassé. Donc si vous voulez vous inscrire, vous avez un lien de parrainage en barre d'infos. Vous avez genre 5€ de remise sur votre première commande ou 10€, je sais plus quoi. Et moi j'ai 5€ ou 10€ genre un lien de parrainage quoi. Et donc moi je commande beaucoup là-bas. Et c'est vrai que je voyais souvent Smile Carbon là pour ça et j'hésitais. Et là j'ai reçu ça gratuitement donc je suis assez contente. Donc bah, je vais tester ça pendant jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de gel. Donc il faut mettre environ 0,5 ml de chaque côté de la gouttière. Donc en gros ça va me tenir 10 jours quoi. Bon, on va tester ça et je vous dirai ça dans une prochaine vidéo, dans un crash test ou soit dans un vlog, je vous montrerai ça. Donc en gros vous mettez 0,5 ml de produit sur la gouttière, enfin sur chaque côté de la gouttière. Ensuite vous mettez la gouttière dans votre bouche, vous mettez la lampe LED et normalement bah, ça doit blanchir tes dents. Donc je sais pas si ça va vraiment attaquer l'émail ou pas. Donc ça je le verrai au fur et à mesure du temps. Si j'ai vraiment mal aux dents, j'arrêterai. Mais écoutez, on va voir ce que ça donne. On va voir, moi j'ai envie de tester, j'ai envie de voir ce que ça donne. J'avais déjà testé la poudre au charbon, ça n'avait strictement rien fait sur moi. Donc on va voir ça. Et ça c'est disponible sur le site aussi de l'ANECA, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc voilà, merci beaucoup de me l'avoir offert. Ensuite Clarence, encore une fois. Donc je suis gâtée par Clarence aujourd'hui. Alors Clarence, j'ai reçu une gelée éclat du jour, hydratation, fraîcheur et bonne mine. Donc ça diminue les imperfections, ça révèle le côté bonne mine de votre peau et ça booste l'éclat de la peau. Ils ont fait une gamme et tout avec le gel nettoyant et la lotion énergisante. J'aimerais trop tester la lotion énergisante. Alors qu'est-ce qu'ils disent de beau sur leur site? Vivifiante et matifiante, sa gelée assure votre peau une hydratation équilibrée tout au long de sa journée. Sans effet gras, ce soin est également une excellente base de maquillage. Donc il y a de la vitamine C, vitamine incontournable du tonus et de vitalité. Elle stimule ses défenses naturelles, recharge ses cellules en énergie et lui donne le peps nécessaire pour être belle tout au long de la journée. Une aubaine pour les peaux jeunes, pleines de vitalité, mais aussi hautement consommatrice d'énergie pour retrouver leur bonne mine. Il y a la présence de curcuma dedans. Mais ils ont mis quoi là-dedans? C'est pas possible. Qui en fait a un effet antioxydant. Et c'était vachement utilisé pour la médecine... C'est quoi comme médecine? Médecine genre ayurvédique, un truc comme ça. Oh la vache, ça sent mais vraiment trop trop bon. Donc c'est un petit pot comme ça. Donc là-dedans il y a combien? Il y en a 20 ml. Donc il y en a quand même une certaine quantité. Je vais essayer de me cacher, voilà. Et ça sent vraiment trop trop bon. Ensuite ils disent quoi de beau? Il y a de l'alchimie, qui est une plante resplendissante à la lueur de l'aurore, dotée de petites feuilles dentelées qui recueillent les précieuses gouttes de rosée du matin. Ses propriétés astringentes reconnues permettent au teint de garder toute sa clarté. Donc ça réduit les imperfections pour une peau zéro défaut, matifiée tout au long de la journée et un teint éclatant. Il y a aussi un extrait de Ginkgo biloba. Aucune idée de ce que c'est. Ça favorise la micro-circulation sanguine. Et ça, ça coûte 28,50€. En vrai, ça sent super bon. Déjà, de base, ça sent bon. Mais si ça marche vraiment, c'est que c'est vraiment une grosse tuerie. De toute façon, Clarins, moi, j'ai confiance en eux du 1080%. C'est vraiment une super bonne marque, Clarins. Toutes les marques comme ça, je kiffe de fou. J'utilisais ça quand j'étais petite, toutes ces marques, etc. Et j'ai jamais vraiment été déçue. Donc ça, je pense que ça doit bien faire bon coup d'éclat. Donc je vais tester ça et je vous dirai ça aussi dans les prochains vlogs. En tout cas, merci beaucoup de me l'avoir offert. Franchement, je vais me prendre la lotion parce que j'ai trop... Ça me tente trop, tu vois. Ensuite, j'ai reçu cette petite combinaison One Piece. Je vous la mettrai en insertion pour que vous voyez un peu mieux comment elle est. Elle est vraiment trop trop belle. Elle a des petites poches partout. J'aime trop. Je suis hyper confortable là-dedans. Franchement, j'ai l'impression d'être dans un doudou. Genre, je sais pas, je suis trop bien dedans. Les manches, elles sont trop trop belles. Regardez-moi comment elles sont belles. Et tout le long, en fait, vous avez des petites rayures blanches qui vont jusqu'aux jambes, jusqu'aux pieds. Et vraiment, cette couleur rouge, elle est, mais waouh, elle est trop trop belle. Et vous avez une petite capuche aussi. Hop, comme ceci. Et donc, vous pouvez fermer la fermeture jusqu'en haut. Donc ça fait un petit peu chaperon rouge, là. Hein. Donc voilà, j'ai reçu cette sublime combinaison. Elle est vraiment très très belle, d'une très très bonne qualité. Franchement, j'en ai déjà eu des combinaisons, tu vois, mais celle-ci
J'ai pas chaud ni froid, genre je me sens bien, je me sens à l'aise, vraiment je me sens pas serrée, je suis bien. En parlant de pas serrée, c'est la taille un peu grand, donc si vous faites du M, prenez du S, moi j'ai pris du S, j'aime beaucoup, vraiment cette combinaison est très très belle. Donc voilà, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je crois que j'ai un code promo pour vous, c'est -20% sur tout le site. Donc c'est PANDAPI20, je crois que c'est ça, je vous le mettrai ici. Et en barre d'infos, n'hésitez pas à aller checker, je vous mets tous les codes promo que je trouve en barre d'infos. Donc il n'y a aucune commission pour moi, c'est juste pour vous. Ça, c'est pour tout le site, sauf les articles déjà en promotion. Donc il y a déjà des promotions sur leur site qui sont assez avantageuses. Mais si vous voulez la même que la mienne, vous avez -20%. Je crois que ça coûte 139 euros. C'est quand même un prix. Mais je trouve que c'est une excellente marque. C'est quelque chose qui va te durer dans le temps, qui va pas se craquer, qui va pas se déformer au lavage. C'est vraiment une bonne matière et... moi vraiment je suis trop à l'aise dedans, je suis trop contente de l'avoir reçu. Je sais que ça va bien tenir dans le temps, tu vois, c'est pas de la mauvaise qualité, ça se sent direct, tu vois. Et vraiment j'aime bien, je vais rester comme ça toute ma vie dans cette combinaison. En tout cas merci beaucoup de me l'avoir offert One Piece, franchement au top. Franchement les gens qui se sont occupés de ça, ils sont vraiment très gentils, donc vraiment merci beaucoup, merci merci merci. Et enfin la grosse annonce, je suis trop heureuse de vous annoncer que je suis ambassadrice de la marque Majoli Candle. Donc en fait on est plusieurs influenceurs, donc normalement il y en a 5 d'influenceurs qui sont ambassadeurs de la marque Majoli Candle. Moi c'est pour une durée de 5 mois. Donc chaque mois je recevrai des nouveautés de chez Majoli Candle. Donc là ils m'ont envoyé une de leurs bougies que je n'avais pas et que je vous présenterai sur YouTube. Donc cette vidéo est en collaboration avec Majoli Candle, elle n'est pas sponsorisée, je tiens à le préciser. Je ne suis pas payée pour ça. Je collabore avec eux pour vous présenter les nouveautés et les bougies que j'aime beaucoup parce que je vais vous montrer toutes les bougies que j'ai. Je les adore ces bougies et je crois que j'ai toute la collection maintenant. Il ne manquait plus que celle-ci que j'ai reçue, donc c'est la bougie à la vanille. Je ne l'avais pas reçue. Ça sent hyper bon. Donc je ne l'avais pas reçue et regardez-moi ce packaging, comment il est magnifique. C'est vraiment trop trop beau, j'aime beaucoup trop. Et donc à l'intérieur on a des boucles d'oreilles en argent. Et donc dans chaque bougie vous avez des bijoux avec des cristaux de chez Swarovski. C'est quand même une très bonne marque Swarovski, tu vois. C'est pas des bijoux de merde. Là par exemple j'ai un collier qui vient de chez Majoli Candle. Ça fait depuis le mois de juin que je l'ai. Et ça n'a pas bougé, donc je le garde toujours auprès de moi. Donc voilà, j'aime beaucoup. Donc là c'est une bougie, je vais vous montrer. Donc ils m'ont contacté en fait pour faire cette collaboration avec moi et j'étais vraiment très surprise parce que je suis une petite influenceuse, genre j'ai 10 000 abonnés, tu vois, je pensais qu'ils demanderaient à des gens, des influenceurs un peu plus élevés avec 100 000, 200 000, 300 000, 500 000, etc. Et on me proposait à moi, je suis vraiment contente parce que c'est vraiment ma passion, les bougies, j'adore ça, vraiment, je voulais vous montrer ma collection, j'adore, surtout ceux de Majoli Candle, je trouve que c'est une super bonne marque, c'est une bougie avec la cire naturelle. Et j'adore, ça sent super bon. Que comme ça, j'aime beaucoup, regardez-moi comment la bougie est classe, vraiment ça... J'étais vraiment très 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 contente de faire ça. Vraiment c'est oufissime, je suis trop contente. Je vais vous montrer la petite collection que j'ai. Alors déjà j'ai celle à la pina colada, à la rose, à omonoï, ça sent vraiment trop bon. Celle-ci m'a préférée avec fleur de coton, linge frais, les deux. Celle-ci je l'ai bientôt finie, c'est trop le seum. Sapin d'hiver, ça sent trop trop bon aussi. Ensuite les autres bougies je les mets en dessous. Donc dès que je veux me faire brûler une bougie, bah je les sors et... Et je m'en fais brûler. Donc là j'ai la fleur de cerisier Tropical Jungle. Ça c'est celle de chez Enjoy Phoenix que j'ai pas trop kiffé. Les trois je les avais pris, je les avais achetés. J'en avais pour plus de 100 euros et franchement j'ai pas kiffé. Genre les deux j'ai pas kiffé. Ça va, ça sentait bon. Ensuite j'ai celle au marshmallow. J'ai aussi celle au Virgin Mojito. Et ça c'est ma toute première bougie de chez Majoli Candle, la Rose Gold. Donc voilà, j'ai ça comme bougie et je suis vraiment trop contente d'avoir cette collection là. J'ai énormément de chance parce que la plupart, quasiment toutes les bougies elles m'ont été offertes par eux. Et je suis trop contente d'être ambassadrice de cette marque là parce que j'affectionne beaucoup 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 cette marque. Et voilà, je suis vraiment trop contente. Donc en fait à l'intérieur vous avez des boucles d'oreilles, j'essaierai de vous les montrer si je les ai si au moment où je poste cette vidéo je les ai déjà eues. Je vais essayer de vous les montrer. Donc normalement vous avez des cristaux de chez Swarovski et vous avez aussi un petit numéro sur leur site. Vous allez dans obtenir la valeur du bijou, vous entrez le code et vous avez la valeur de votre bijou. Donc ça va de 30 euros je crois
à cher, parce qu'il y en a avec des petits diamants, je crois, des bijoux qui valent vraiment très cher. C'est rare de tomber là-dessus, mais généralement vous tombez sur des bijoux d'une valeur de 80-90 euros, donc c'est quand même pas négligeable pour une bougie à 30 euros. Vous avez et la bougie et le bijou en argent 925 ou en or, ça dépend de ce que vous voulez. Donc voilà, merci beaucoup à la marque My Jewelry Candle et au site Yo de m'avoir choisi. Je suis très contente et voilà, merci. Donc voilà, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne juste ici si c'est toujours pas fait. Je vous mets dans cette vidéo que s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.